Donc ça y est, on se retrouve pour le vlog de Animal Expo, je viens tout juste de me garer, donc maintenant il est temps que j'arrive à trouver Camille. Donc voilà, Camille m'envoie un message, elle devrait pas tarder à arriver. Bon, par contre le masque c'est cool, je suis pas censée le tripoter, mais j'ai toujours le même problème, c'est que ça vient me toucher le dessous des yeux en fait, et ça me gêne à mort. Sinon je viens de voir un cocker que je connais pas, et My Joy qui vient de passer pendant que moi j'attends comme une glandue. Il y a des chevaux aussi qui sont passés parce que je suis en plein dans un passage pour chevaux. Donc j'attends Camille avec Oana et Max. Thank you.
Donc on se retrouve, il doit être 19h, je n'en peux plus du tout. Donc, Animal Expo, c'est terminé. Donc encore un énorme merci à Camille de m'avoir permis de ne pas avoir à faire la queue. Je vais juste verrouiller la voiture. Et moi j'ai quasiment pas de queue à faire. Dépenses différentes, de toute façon vous allez voir le haul qui va sortir dans la semaine. Je sais pas si je vous le sors mercredi ou vendredi. Ça va dépendre quand est-ce que je peux le tourner. Parce que j'aurais pensé le tourner ce soir, mais il va falloir que je sois rentré, c'est mort. Niveau échantillon, ça a été kiff kiff bourrico. Pas de Riga, pas d'Atavik, pas de Dog's Love, pas de Vitacraft. Donc là, à ce niveau-là, c'était un petit peu compliqué d'avoir des bons prix et des bonnes affaires. Donc le stand de Lily's Kitchen était un stand totalement ridiculus. Salut toi. Où il y avait les calendriers de l'Avent, mais j'avais pas envie de remettre 10 euros dans le calendrier de l'Avent que je pourrais trouver sur Wanimo et Riga, bah, je pourrais peut-être le trouver en magasin, ou alors on en fera un nous-mêmes, et bah voilà, cette année je voulais en faire un moi-même, et bah ce sera l'occasion. Donc voilà, pour le coup, niveau échantillon, ça a été un petit peu compliqué de gratouiller, j'en ai eu quelques-uns, on fera le bilan à la fin. À la fin de tout ça, j'ai pas ramené masse trucs. On va dire que j'ai dépensé mon argent dans des trucs plus chers que d'habitude. Donc j'ai moins de trucs mais de valeur plus chère parce que c'est des trucs des plus... comment dire, que je me perde pas. Plus dans des trucs made in France, fait à la main, machin, et trucs bidules. Même si cette année, un peu le made in France, c'était un peu le foutage de gueule parce que ils avaient toutes les croquettes françaises, toutes faites en France, toutes faites dans les meilleures régions avec élevage, production, emballage, tout ce que tu veux, qui était tout français, tout était tout beau, tout rose. Ouais, je m'en fous, je grattais des croquettes. Edgar Cooper, j'ai quand même ramené un truc, même si bah, la roue, j'ai pas réussi à avoir quoi que ce soit. Et j'ai pas réussi à gratter d'échantillons non plus. Mais voilà, donc je vous ferai un haul. Oui, bonjour. Arrêtez de me fixer comme ça, c'est relou. Alors je sais jamais si c'est parce qu'il y a la caméra ou si c'est parce qu'il y a mes cheveux. Bref, donc là je vais être partie, j'envoie un message au chéri pour dire que je rentre. Donc je suis restée jusqu'à la fermeture pour essayer de gratter des cartons d'échantillons comme Camille a déjà fait. Impossible, on n'a jamais réussi. Donc c'est tombé à la flotte complet, donc bah, on est rentré. Mais je vais avoir un produit que je
tairai pour l'instant le nom, que je me suis fait gracieusement offert, donc la personne se reconnaîtra, mais j'en cacherai le nom pour l'instant parce que tant que je ne pourrai pas en parler, je n'en parlerai pas. Mais voilà, il y a quelqu'un qui m'a offert un produit à tester pour en donner mon avis. Donc ça, j'étais contente, c'est pour ça que je suis restée jusqu'à la fin. Et pour finir, on s'est fait une seule petite... Il y a Phoebe. Une seule petite conférence pour... C'était pour se poser un petit peu à la fin, et c'était avec Chloé Fesch de Canid Elite. Et comme ça, ça m'a permis de... d'apprendre des informations sur des questionnements à se poser, des méthodes d'éducation et tout, à se poser. Comme ça, bah, je vais pouvoir en traiter une vidéo sur ma deuxième chaîne qui va être fait pour ça, donc aussi des questions. Bah, j'ai enregistré avec la caméra, puis après au dictaphone, parce que j'avais plus du tout de batterie. J'ai pu filmer l'insta show de toutes les filles, donc comme ça je pourrais fournir à celles que ça intéresse toutes leurs leur prestations. J'avais mon grand trépied qui dépassait au-dessus de la tête de tout le monde, mais ça, là je m'en battais les couilles. D'ailleurs aussi, dédicace au... Patoun Rousse, j'espère que je ne me trompe pas de pseudo, qui est la seule abonnée que j'ai croisée aujourd'hui. Donc voilà, grosse dédicace, parce que bah, toutes les personnes qui étaient abonnées étaient là hier, mais pas moi. Et je suis désolée, Evrina, qui a eu un malentendu, je pensais pouvoir filmer ta prestation, mais j'ai pas compris que tu n'y étais pas le dimanche, alors que moi j'y étais le dimanche. Donc voilà, je suis désolée de cette fausse joie que je t'ai faite. Bref, donc j'envoie un message au Siri pour te dire que je pars et je reprends la route, parce que j'ai presque 2 heures de route, et vu l'heure qu'il est, bah voilà, il est largement temps de rentrer. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout à vous abonner. Et ceux qui se poseraient la question si la route se passera bien et si je suis bien rentrée, si la vidéo est publiée, c'est que tout est bien, c'est bien passé. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou !